Alors, moi, je voulais plutôt prendre la perspective de poser ce que c'est que la diversité sur la table, la biodiversité sur la table. On vit dans un pays qui n'est peut-être pas aussi biodivers que des pays qui ont des écosystèmes, enfin, en tout cas en France métropolitaine, que des pays qui ont des forêts tropicales ou des écosystèmes coralliens. On a quand même pas mal d'espèces, hein. On a quelques 600 espèces d'oiseaux, 200 espèces de mammifères. Quand on va dans l'invisible, quand on va dans le sol, par exemple, l'INRA de Dijon a fait un très bel atlas qui montre que quand on fait 2200 trous en France, on trouve plus de 120 000 espèces de bactéries. Et si on fait un 2201e point, ben on trouvera encore d'autres espèces de bactéries. Donc on a quand même, nous, une grande biodiversité, parce qu'on a plein plein d'espèces, hein. Ben non, c'est pas du tout ça. Pour vous montrer à quel point ce qui précède est un non-sens, je vous ai amené une voiture. Ça, c'est une voiture. Alors là, tout le monde comprend que ce n'est pas une voiture, c'est un morceau de voiture. Eh bien, ce que je viens de décrire, c'est un morceau de biodiversité. Mais ce n'est pas la biodiversité du tout. De même que ça n'est qu'une partie de la voiture, ce que je viens de décrire n'est qu'une partie de la biodiversité. C'est celle à laquelle on pense d'emblée, car si sur Internet vous tapez biodiversité, vous allez voir sortir des catalogues d'espèces, des milieux où il y a plein d'espèces, mais en réalité, ce n'est qu'une partie de l'histoire. Et il faut bien comprendre que la biodiversité s'inscrit aussi au-dessus de l'espèce et en dessous. C'est-à-dire que fait partie de la biodiversité, au sein de l'espèce, la diversité génétique. C'est-à-dire la diversité des individus qui portent des gènes qui sont semblables, mais pas en tout point identiques. Regardez votre voisin, vous verrez, il n'est pas comme vous. Parce qu'il a des gènes en particulier, parce qu'il a des gènes différents. Donc ça, c'est une partie de la diversité, et cette partie de la diversité, on a tendance à l'oublier, c'est la diversité intraspécifique, c'est la diversité génétique. Et vous remarquez une chose, c'est que chaque fois qu'il y a moins d'individus dans une espèce, ben, il peut y avoir nécessairement que moins de cette diversité génétique. Et là, on réalise que ce qui compte aussi, c'est l'effectif des populations. Car seules de très grandes populations peuvent contenir de très nombreux gènes différents. Si on prend trois personnes ici et qu'on refait une population avec, on n'aura pas la même diversité génétique que celle qu'on avait dans cette salle. Et ça veut dire que la quantité d'individus compte dans la diversité. Et aussi que donc il y a de la diversité qui est au sein de l'espèce. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi de la diversité en termes d'assemblage d'espèces. Dans un écosystème, vous avez plusieurs espèces qui cohabitent et qui opèrent des liens entre elles, des liens de parasitisme, d'entraide, de compétition. Et donc, en fait, dans la diversité, il y a aussi la diversité des assemblages d'espèces, la diversité des écosystèmes, la diversité des interactions entre les espèces. Comme il y a une diversité d'interactions entre les parties de la voiture, qui sont aussi une partie de la voiture. Je veux dire, les roues ont un lien assez évident au moteur. Ça fait partie de la voiture, eh bien, les liens entre espèces font partie de la biodiversité. Donc, vous voyez, la biodiversité, c'est plus qu'un catalogue d'espèces. C'est la diversité dans ces espèces et la diversité de la façon dont ces espèces s'engrènent entre elles. Alors, l'efficacité de l'agriculture, et tu faisais bien de dire que l'agriculture conventionnelle dont nous sortons, elle a une efficacité. Et la première façon dont on en bénéficie tous, comme tu le dis, c'est qu'on mange tous à satiété en quantité. Ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire de l'humanité, c'est d'ailleurs toujours pas le cas pour toute l'humanité, hein. Donc cette agriculture-là, elle a quantitativement rempli son contrat. Après, elle l'a rempli avec une efficacité de court terme, en niant justement la biodiversité. Et pas tellement en niant la biodiversité des espèces, parce que dans nos assiettes, il y a plein d'espèces quand même, faut le dire. Non, en niant la diversité au sein des espèces, c'est-à-dire en faisant des lignées qui marchent très bien à court terme, mais qui finalement nous font perdre la diversité biologique de l'espèce et les réserves de gènes qui pourraient demain nous servir. Donc, quelque part, cette agriculture, elle a nié la fraction de la biodiversité qui est intraspécifique. Et puis, en faisant des champs monospécifiques, c'est-à-dire avec une seule espèce cible et en désherbant tout le reste, eh bien, elle a nié la diversité d'assemblage des espèces. Vous voyez que finalement, le problème de l'agriculture avec la biodiversité est peut-être moins le problème de la diversité des espèces que le problème de la diversité intraspécifique, la diversité génétique, ce que les semences paysannes, par exemple, se proposent de porter un peu plus, avec une logique que l'on peut discuter dans sa durabilité aussi, mais qui est quand même plus responsable par rapport à la prise de conscience de cette diversité. Et puis, une diversité aussi de l'assemblage des espèces qu'il nous faut retrouver. Parce qu'en fait, quand on regarde à long terme, on s'aperçoit que les écosystèmes ne sont pas faits pour... Ils n'ont jamais fonctionné avec une seule espèce. Donc il y a des tas de fonctions qui commencent à partir en couille
quand on n'a plus qu'une espèce dans un champ. Et donc, on a besoin aujourd'hui aussi de réintroduire la diversité d'assemblage. Et ce programme, il se décline de plein de façons. L'agroforesterie, par exemple, est une façon de mettre plus d'espèces dans un champ. Le fait d'avoir des cultures mélangées, des mélanges, par exemple, céréales légumineuses, c'est aussi une façon de retrouver la voie d'assemblage. Et puis, pour terminer, bien évidemment, il y a toute la diversité temporelle qui consiste à avoir des cultures, des intercultures qui ne laissent pas le sol nu entre deux cultures objectifs. Bref, cette diversité d'assemblage spatiale et temporelle, cette complexité du peuplement avec plusieurs espèces en interaction, c'est-à-dire le niveau supraspécifique de la biodiversité, reste aussi à retrouver. Et donc, vraiment, la biodiversité est quelque chose qui se décline au sein de l'espèce, en nombre d'espèces et en relation entre espèces, et c'est toutes ces échelles, finalement, de biodiversité qu'il nous faut remobiliser en agriculture. Je vais juste vous citer un exemple. Vous savez, les graminées, elles ont des moyens de lutter contre les plantes qui sont en concurrence avec elles, en émettant des tanins assez spécifiques, les acides hydroxynamiques, dans le sol. Et c'est assez efficace, elles désherbent autour d'elles. Et cette logique-là, cette logique qu'elles ont dans la relation aux autres plantes, elle était complètement oubliée dans la domestication, puisque artificiellement, on enlève les mauvaises herbes, donc on ne sélectionne plus nos plantes pour qu'elles fassent place nette autour de leurs racines. Donc on a juste perdu un outil, qui était un outil de relation interspécifique, et qu'on a perdu dans la domestication, parce qu'on a perdu de la domestication de la diversité intraspécifique. Et là, vous voyez le lien entre la diversité intraspécifique et la diversité des relations interspécifiques. En fait, on a des leviers énormes à reprendre en main, et des leviers qui assureront une durabilité sans doute plus forte à nos écosystèmes agricoles, en reprenant en main les différentes échelles de la biodiversité. Voilà.